Bonjour à toutes et à tous, ici RoroRugbyman83. Je vais faire une vidéo sur le jeu Rugby Challenge de Jonah Lemou. Si vous le voyez, voilà. Alors je vais faire une partie en ligne pour ma première. Voilà. Bon, attendez. Bon, je vais prendre la Nouvelle-Zélande. Un petit avant-match à chaque fois. Je vais jouer contre l'adversaire ESNXV. Bon, il veut que je change d'équipe. Bon, je vais changer d'équipe. Je vais prendre les Crusaders contre les Sister Tigres. Je voulais juste vous montrer que dans le jeu en ligne, la Nouvelle-Zélande ne fait pas le haka comparé en mode solo. C'est ce que je trouve un peu dommage. Il y a quand même les hymnes nationales. Je pense que ça va pas être un match facile, à mon goût. Bon ben c'est parti pour un match, j'espère qu'il sera de bonne qualité. Parce que en ligne, il y a des bonnes qualités et des mauvaises qualités. Je pense que pour l'instant ça a l'air d'être très bien. Oui, c'est super, bonne qualité. Avec un envoi très long. Ou une mauvaise passe, mais bon. Je pense que j'ai jamais mal joué le coup, c'est la première fois que ça m'arrive. Pourtant, je jouais toujours bien les coups, les 1 contre 1. Je suis très fort en 1 contre 1. Mais bon, ça me permet de récupérer quand même le ballon. Alors j'ai appris quelque chose de nouveau dans ce jeu, c'est que pour faire la passe au 10, il faut appuyer R1 et L1 en même temps. Et je vous assure, c'est assez pratique pour faire soit un drop. Pas facile à récupérer les ballons dans les... Un joli coup de pied de la part de ce joueur que je joue contre. Bon ben, je vais choisir la mêlée comme c'est à mon faveur et que je suis dans leur camp. Je suis assez déçu pour les mêlées, c'est pas vraiment bien fait. Moi qui est fan de rugby, je suis quand même déçu par rapport aux mêlées. Une jolie pression de l'adversaire qui m'a fait perdre le ballon, comme vous le voyez. Un beau plaquage haut. Je sais pas si je pourrais mériter un carton jaune normalement. Bon, les plaquages hauts sont vraiment bien faits. Il n'y a rien à dire. Mais bon, c'est un peu gênant. Je voulais vous dire attention pour hors-jeu, il y a une petite croix sur le joueur, il y a un cercle et le cercle montre une petite croix.
Ça veut dire que vous êtes hors-jeu, donc évitez les hors-jeux. Sur une passe mal ajustée, c'est dommage parce que j'avais encore une occasion de marquer un essai. Je suis déçu. J'ai fait un crochet en touche, je sais pas comment j'ai fait pour aller en touche, pourtant j'avais désigné la trajectoire droite. Mais ce n'est pas grave. L'équipe des Crusaders sont à peu près comme... en fait, c'est presque toute la Nouvelle-Zélande entière. Il y a Dan Carter, Sonny Bill Williams, bien sûr. Il y a Dags en 15. On retrouve aussi... comment s'appelle-t-il déjà ? Whipu. Whipu se trouve aux Hurricanes. J'ai failli prendre un essai, je vous assure, c'est pas facile de rattraper que ce soit n'importe quel joueur. Heureusement qu'il a fait un en avant derrière. Une belle poussée de mon équipe. J'ai le vent contre, comme vous voyez. Alors que quand on regardait sur le jeu de 2008, sur PC, sur PlayStation 2, on ne voyait pas la trajectoire devant que pour buter. Mais que pour buter. C'était un peu dommage. On voit bien qu'ils se sont vraiment améliorés pour faire un jeu de rugby. Je me suis fait repousser comme un vieux. Alors qu'à chaque fois, j'étais bien positionné, sauf le dernier. Il faudrait que je récupère le ballon. Et ce mode de jeu consiste aussi à marquer plus de points, mais pas à marquer 0 points, il faut marquer le plus de points. Bon, le coup d'envoi. On voit que maintenant le vent est en faveur de moi. Je voudrais faire passer un message aussi à mon collègue Mac06Magic de regarder ses vidéos et de s'abonner à sa chaîne. Bon, je tente un drop parce que j'arrive pas à aller marquer l'essai. Je tente un drop et ça passe vraiment bien entre les perches. Alors je crois que ce numéro 10, je pense que c'est Flood, Toby Flood, à ce que je pense bien. L'international anglais, si je pense que c'est ça. Ça me plairait de récupérer le ballon parce que sinon, voilà, c'est récupéré parce que sinon je suis un peu dans le caca. Un bon petit cadrage débordement du numéro 3, mais derrière il s'est pris une jolie cartouche. C'était bien marrant à voir.
Heureusement qu'il a aplati parce que il a aplati, donc il n'y aura pas ballon mort. Pour ceux qui ne connaissent pas le rugby et qui jouent au foot. Peut-être mon premier essai, je ne sais pas. Oui, essai. Essai de Dan Carter. Heureusement que je donne un petit coup de pied rasant. Parce que sinon, je vais jamais à l'essai. Voilà. Déjà, dans mon tableau, j'aurai 10 points et lui 0. Voilà, peut-être un... Voici le deuxième essai pour 15-0. Je suis à 100%, un drop de Dan Carter. Voilà, un superbe essai. Une jolie percée de Reed qui fait la passe à Mark Lang. Et Carter qui tape entre les perches. Un coup de pied par-dessus du numéro 3 qui n'est pas facile. Ce qui m'énerve aussi, c'est que quand les gens jouent au rugby, qui font ça depuis tout petit, eh ben ils font du travers. Que ce soit en vrai ou sur le jeu, c'est vraiment horrible. Ça coupe toute la trajectoire du joueur, donc on ne peut pas faire la passe. Le joueur va s'enfermer dans un coin, sur les touches. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Hop, il fait ça tout le long, et après il se fait plaquer. Et après il a besoin de soutien. Bon là, comme c'est un jeu, c'est pas pareil. Ça me plaît de dégager avec quand il y a le vent. En plus, je pense que je vais pas trouver une touche, mais ça aurait été pas loin. Et comme il rentre, et je marque un essai à cause de sa passe pourrie. Alors franchement, je vous dis, j'ai une grande chance de marquer cet essai sur un joli coup de pied de Dan Carter. Je pensais qu'elle allait en touche, mais en fait non. Bon, je suis assez déçu parce que là j'ai raté la pénalité, mais c'est pas de ma faute, c'est à cause de la jauge. Bon ben, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Et je vais juste vous montrer le classement où je suis. Je vais laisser passer. Alors, jeu en ligne, classement. Bon, à chaque fois, on gagne 1000 points. Hein. Si on gagne un match en ligne, c'est assez bien. Alors, je suis 886e. Mais comme j'ai gagné un match, je sais plus combien je suis. Et j'ai 35 victoires maintenant au lieu de 34 et 4 défaites. Et je suis assez content de ce que j'ai fait. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle sera de bonne qualité. Abonnez-vous à ma chaîne.